cette année, j'ai 17 artistes qui sont présents ici, dont leur travail est présent ici autour de nous. Et chaque année, je demande à mes artistes faire un format ou une thématique spéciale. Et cette année, j'ai fait une chose assez intéressante. Au départ, j'avais un petit peu peur s'ils vont accepter, mais je les ai envoyés dans les ateliers des maîtres anciens. Et donc, finalement, ici, chaque artiste pouvait choisir son maître ancien, c'est-à-dire les maîtres ou les artistes qui existaient depuis plusieurs siècles, donc maître de la Renaissance. Chacun a choisi son artiste et a travaillé pendant plusieurs mois dans son atelier pour faire, pas une copie, mais comme s'il était dans cet atelier, s'il travaillait avec ou pour. Donc en 2004, mon mari, l'artiste Lucas Candle, artiste peintre, et moi-même avons eu l'idée de former un groupe, le groupe Libellule Renaissance Contemporaine, de façon à rassembler un certain nombre d'artistes qui travaillent dans la même veine que lui, le réalisme magique, autour de valeurs qui nous sont chères, le beau métier, la qualité, l'internationalité et l'esprit de groupe. Nous avons mis à peu près 2 ans pour monter ce groupe. Il fallait trouver des artistes d'une part, qui nous demandaient où est-ce qu'ils exposeraient et quand. Et il fallait trouver des lieux qui nous demandaient qui étaient les artistes et quelles étaient les choses à exposer. Donc au début, ça a été un petit peu difficile. Il a fallu 2 ans, mais en 2006, nous avons lancé la première collection qui était l'Ange Exquis. Ici à Comparaison. Et chaque année, depuis, nous lançons une nouvelle collection à Comparaison. Les collections, le principe des collections, c'est un thème, un format obligatoire. Donc, après l'Ange Exquis, nous avons eu en 2007 les Exclamations, ensuite la Divine Comédie, ensuite Black and White, les tableaux, c'était des diptyques noirs, que du noir ou du blanc. Les billets $1 million, les phénix et dragons, l'année dernière les zodiacs, et cette année nous avons l'hommage au maître. Donc le groupe est composé d'une trentaine d'artistes qui représentent une vingtaine de pays. Nous avons déjà fait une quarantaine d'expositions, dont dans certains très beaux lieux comme le musée de l'art fantastique à Vienne qui nous a déjà reçus 2 fois. On nous a demandé d'organiser des biennales en France et en Allemagne, en Bavière. Chaque année, monsieur le maire de Bavière vient visiter l'exposition exprès. Et donc, Libellule Renaissance Contemporaine a comme objectif d'annoncer. Enfin, c'est un mouvement avant-gardiste qui annonce. Comme le dit son nom, le renouveau de l'art pictural. L'art contemporain actuel a tout à fait le droit de vivre et représente bien la société actuelle qui est en pleine dégénérescence. Mais nous annonçons la suite de cette dégénérescence, parce qu'à un moment donné, on va en sortir. Et nous sommes là pour montrer qu'il y a des artistes qui savent encore peindre, dessiner, qui travaillent sur des thèmes qui sont des thèmes de société, et que bien que les écoles d'art n'apprennent plus ni à dessiner ni à peindre, ce qui est une bonne façon de tuer l'art pictural, et ben nous sommes là, enfin les artistes sont là pour prendre le relais et redonner à l'art pictural toutes ses lettres de noblesse. Donc pour nous, Libellule Renaissance Contemporaine est un mouvement qui passera l'histoire de l'art du XXIe siècle.